Salut les fans, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'unboxing du vinyle Maxi 45 Tours, Un Cri, qui est sorti le 23 février, en même temps que Flagrant Délit, le projet 71. Alors, donc c'est le Maxi 45 Tours exclusif, édition Splater, donc du moucheté, voilà, tout simplement. Et dessus, on a Un Cri, la version en face A, et en face B, on a la version a cappella et instrumentale. Moi, j'ai la version numérotée 2438. Alors, on va tout de suite l'ouvrir, et on va regarder ça, et on va débriefer après. Dedans, on a une sous-pochette illustrée, avec les crédits. Et dedans, on a, voilà, tout ça, donc les paroles, voilà. Et on a ce fameux vinyle, dit Splater, que je trouve très beau, voilà, très beau. Et ce que je trouve encore plus beau, c'est le prix de 15 €, 15 € le maxi 45 tours. Quand dans le même temps, on a Universal qui nous sort des 45 tours à 16 €, soit 1 € plus cher. Ils sont, il n'y a pas de sous pochette, il n'y a rien, c'est plus petit donc c'est un 45 tours basique. Donc honnêtement, je trouve que sur ce coup-là, Warner a mis une pile à Universal. Voilà, pour 15 €, on a un très beau maxi 45 tours. En plus, le son, on sait qu'il est un peu meilleur en maxi 45. Et puis en plus, voilà, ils ont pris un vinyle qui est vachement sympa. Franchement, c'est super cool, quoi. C'est vraiment sympa, c'est beau. Alors, la pochette, évidemment, il y en a plein qui ont critiqué. Même moi, ça m'a choqué, cette couleur, à la base, qui était jaune, et maintenant, ils l'ont passé en rouge. Ce qui m'a choqué, surtout, c'est le Johnny en petit, comme ça, détouré assez grossièrement. Mais bon, ça représente, en fin de compte, c'est comme j'en avais déjà parlé, hein, c'est le délire un peu rockabilly de l'époque, voilà. Donc, bah, moi, je suis content, voilà, j'avais pas acheté le vinyle à l'époque jaune. J'ai dit non, j'avais pris que la version CD normale, et j'avais acheté la box CD standard avec les deux badges. Bah, je vais vous les montrer, simplement. Voilà, j'avais acheté cette box-là, avec, donc, dedans, le CD normal, et les, voilà, le badge, et les deux stickers qui sont... Bon, c'était vendu 21 €, c'était pas très cher. Et, en fin de compte, Warner, la personne qui m'avait invité, Sophie, a fait dédicacer le fameux CD qui était vendu uniquement sur leur boutique à eux, là, où il n'y a que les instrumentaux et la cappella. Elle l'a fait dédicacer par Yodelis. Et elle me l'a envoyé par la poste, voilà, donc super cadeau. Voilà, c'est tout ce que j'ai sur ces sorties-là, j'ai pas acheté tout le reste, le picture et ceci, cela. Mais pour ce Maxi 45, bah voilà, bah, ma foi, je suis content, 15 € rapport qualité-prix, top, voilà. Dites-moi, vous, si vous l'avez acheté, dites-moi ce que vous avez pensé de votre disque, si vous le trouvez beau aussi, bah, j'imagine que oui, de toute façon, vous l'avez trouvé beau. Et moi, je trouve qu'on devrait avoir un peu plus de projets de ce style-là, des Maxi 45 un peu avec des couleurs spécifiques et tout, assez jolies. Je pense qu'il y a pas mal à faire. D'ailleurs, même du côté de chez Universal, vous devriez vous inspirer un peu de ce que fait Warner là-dessus, parce qu'au niveau, on s'y retrouve un peu plus, on est un peu plus content, et je pense que ça sera sympa, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao !